Deux semaines et 48 messages. C'est le nombre de semaines qui sont passées depuis l'incident dans la forêt et le nombre de messages que j'ai reçus de la part de mes proches. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils me recherchent beaucoup plus activement et que ma tête est affichée dans les journaux, à la télé. Je me demande même s'ils n'ont pas placardé ma tête sur les murs de la ville. Du jour au lendemain, je suis devenu leur ennemi numéro 1. À cause de la fausse info que leur a fourni Raven, ils n'osent pas m'attaquer, parce qu'ils pensent que j'ai le livre entre les mains et que je peux m'en servir en tant qu'otage. Je suis plutôt tranquille. Mais comme on le dit souvent, ce n'est que le calme avant la tempête. Je ne devrais pas le cacher, j'ai photocopié le passage qui m'intéressait le plus dans le livre. Mais il ne leur servira à rien. Je gagne dans tous les cas sur ce tableau. Si cette fausse info de Raven peut me sauver, alors il faut absolument que je la maintienne. Il faut que je leur fasse croire que j'ai encore le livre. Hier, j'ai reçu le message d'un ami, Néo. Il prenait ça pour une plaisanterie au début. Mais son dernier message était étrange. Il est devenu si sérieux que je l'ai appelé. Et pas de doute, il s'est passé quelque chose. S'il a des soucis, je dois l'aider. Je ne permettrai pas que quelqu'un d'autre soit impliqué par ma faute. Je suis le seul coupable. Je vais fixer un rendez-vous près du champ, pas loin de la forêt. Comme je ne suis pas en sécurité dehors, je prends l'arme à feu que j'ai piqué à Raven. Il reste 8 balles dans le chargeur. Je dois faire attention à ce détail. Le rendez-vous est dans 20 minutes, j'y serai dans 10. En partant maintenant, je préfère arriver avant. Une fois sur les lieux, j'ai dû attendre encore plus de 15 minutes. Et il n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui. Bien. Je compte sur toi. Fais ton boulot. Bon, c'est pas la première fois qu'il arrivera en retard à un rendez-vous que je lui donne. Il finira bien par arriver. Alors Néo, encore en retard à ce que je vois? Eh, c'est quoi ça? Une blague? Merde. Crois pas que je vais me rendre aussi facilement. Essaie de me suivre si tu le peux. En rond, soit tu fais un plus que moi. Je pense que c'est la première solution. La ferme. Rends-toi. Pourquoi tu fais ça? Rends-toi. Pourquoi? Ou plutôt, rends ce livre. Je comprends. Ils t'ont contacté. Et si jamais tu m'arrêtes pas, ils te tuent. La ferme. T'as toujours été comme ça. Tu prends tout le temps les choses à la légère. Mais là, on ne rigole pas. C'est ta vie qui est en jeu. Tu comprends ça? Néo, t'es idiot ou quoi? Ne fais pas le malin alors que j'ai de ce flingue pointé devant toi. Tu ne peux pas tirer. Tu trembles comme une feuille. On te force à faire ça. Mais tu fais pas ça pour moi. T'as peur de mourir? Ils ont menacé ta famille? Je comprends ton attitude. Mais je comprends pas ta décision. Quoi? J'ai gardé ce livre parce que son contenu était dangereux. Plus qu'une famille pourrait mourir à cause de lui. Je préfère mourir que de voir les autres l'être à ma place. Je suis pas un lâche. Quel rapport avec ma décision? T'es qu'un pantin, Néo. Tu te fous de moi, là? T'as accepté leur requête parce que t'avais peur de mourir et de voir ta famille mourir aussi. Mais si tu échoues, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ils peuvent pas te tuer. Comment ça?
À défaut de ne pas pouvoir me tuer, ils essaient de m'avoir par les sentiments, en forçant mes amis à se dresser contre moi. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai détruit le livre. Et que j'ai conservé une petite partie de celui-ci, celle qui m'intéresse. Attends, tu veux dire que ce que je suis en train de faire là? Exactement. C'est inutile. J'ai détruit ce qu'ils veulent. Celui qui t'a embauché ne s'appellerait pas Raven par hasard? Comment tu sais? Quoi qu'il en soit, on doit absolument... Cours au cours, aussi loin que tu peux. Putain, il court vite celui-là. Il connaît la forêt comme sa poche. À ce rythme-là, c'est moi qui vais me perdre. Ça va aller? Il est précis. Je me suis arrêté deux secondes et il m'a tiré dans la main. Il a mal de chien. Un sniper garde jamais la même position. Tu vas m'indiquer le chemin, je vais te couvrir. Il pourra pas me tuer. Je suis trop précieux pour son petit jeu. Tu veux me servir de bouclier humain? On n'a pas le choix. Lève-toi vite. Si ça continue, il nous trouvera avant. Merci d'être passé pour récupérer le Dragon of Fate des U. Avoir entre les mains ce fusil de précision russe est un véritable plaisir. Je vois que tu es bien équipé. Le message est bien passé, je te l'assure. Donc si j'ai bien compris, tu proposes de t'occuper de son ami au foulard pendant que moi je m'amuse un peu avec lui? J'espère que le prix ne va pas baisser. Parfait, faisons comme ça. Mais t'es sûr que tes supérieurs ne vont pas gueuler? Ouais, t'as raison. Ils ont ce qu'ils méritent, ces imbéciles. Continuons comme ça. La traque ne fait que commencer. À bientôt. Tu sais le mec dont t'as démonté l'épaule de toi? Ouais, ben. C'était Johan. Je sais. Attends, ça veut dire que tu as... J'ai compris il y a deux semaines. Juste après le rendez-vous dans la forêt. Le foulard qu'il portait, je l'ai reconnu tout de suite. Ça pouvait être lui. Tu regrettes? Je mentirais si je disais non. Mais je me dis qu'il aurait pu trouver autre chose au lieu de me traquer. Tu penses qu'il reviendra? Ouais, je suis sûr. Et quand il reviendra, je m'assurerai qu'il fasse comme toi, qu'il me rejoigne. Et t'inquiète pas, c'est Raven qui t'a embauché, pas l'organisation. Tu sais que le livre a été détruit. Ils n'ont aucune raison de te poursuivre. Tu crois? J'ai piqué le fromage au corbeau. Il fera tout pour récupérer. Prends soin de toi. A plus. A plus. My songs know what you did.